Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Pirate Chip. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo car un nouveau mode vient d'arriver, la confrontation, comme vous le voyez à l'écran. Deux factions se sont affrontées dans une bataille pour les trésors des anciens pirates. De quel côté vous rangerez-vous dans la lutte pour la récompense? Appuyez sur l'une des équipes pour voir ses avantages. Donc là, il y a la vengeance de la reine. Donc il vous propose un bonus à la santé de tous les marins à 10%. Et si vous prenez les légions noires, un bonus de dégâts pour tous les marins, 10%. Alors, c'est quoi ça? Dégâts. Un bonus de santé, plus de santé ou de dégâts. Eh bien, écoutez, moi, je vais prendre plutôt la légion noire. Allez, on rejoint. Alors, gagnez des points de passe pirate lors de l'événement et menez votre équipe à la victoire. Ouf, il y a du point d'avance. La meilleure équipe obtient plus de récompenses. Récompense dépend du nombre de points gagnés. Ok. Alors, comment tu gagnes des points? C'est en faisant des combats comment? Gagner des points de passe pirate lors de l'événement. Ah, dès que tu fais des combats, que tu fasses des victoires, tu gagnes des points. Donc on va essayer, hein. Donc, il manque mes pirates là, ils seront plus de dégâts. Donc, là, si je gagne, je vais avoir les petites couronnes qui se trouvent en bas. Logiquement, je devrais gagner. C'est bien parti pour. Voilà. Donc j'ai gagné. Là, je reçois les fameuses couronnes, donc plus 2. Et logiquement, ça se met dans l'événement. Parce que je gagne plus 2. Voilà. Et là, plus 2. Donc c'est ça. Putain, l'autre, il a 1 400 000 développeur. Ah ouais, développeur zen. Et le... Ok. Donc là, il faut vraiment prendre par ça par rapport... Ouais, mais c'est cheaté quoi. Lui, il aura déjà le truc. Donc, faut faire beaucoup de combats et beaucoup de victoires. Même si tu perds, je crois que tu gagnes des récompenses aussi. Donc, pendant l'événement, il va falloir faire énormément de combats. Et j'ai l'impression que les jaunes noirs mènent. Donc, le groupe que moi j'ai choisi a un peu plus de succès et mène. Actuellement, je suis 227e. Bon, comme vous voyez, hein, il va falloir faire énormément de combats pour pouvoir être dans les premiers. Et après, je pense que vous aurez des récompenses par rapport au classement, sûrement. Voilà ce nouveau mode de confrontation. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous, bonne game. Et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao.